Mais aujourd'hui, je suis venu de m'adresser à vous. Comme la démagogie Alpha Condé, la hypocrisie Alpha Condé, avec ces gouvernements, ils sont incompétents, ils sont incapables de nous trouver une porte de sortie. Toujours, Alpha Condé, il est champion des conflits et des désordres. Pour créer un conflit, il est champion pour créer des conflits. Il est champion pour créer des désordres. Toujours dans notre pays, si ce n'est pas crise, c'est dans les crises. Si nous ne sommes pas dans les crises, si Alpha Condé a créé une crise aujourd'hui, avant que cette crise va finir, il va créer une autre crise. C'est extrêmement dangereux. La hypocrisie, les malhonnêtetés de Alpha Condé, la hypocrisie de Alpha Condé, c'est qu'il a décrété des jours en deuil. Il a décrété des deuil. Le décès de Idrissa Déby, le président tchadien, qui n'a pas servi notre pays. Maintenant, la tragédie qui est passée, le drame qui est passé à Tatakuru, préfecture de Sigrin, pourquoi ils n'ont pas décrété de deuil? Que la Guinée est en deuil là-bas. Si ce n'est pas la malhonnêteté de Alpha Condé. Les tragédies, les violences, les drames qui est passé à Sigri, de Tatakuru. Pourquoi ils n'ont pas décrété des jours de deuil national? Parce qu'il est champion de créer. Parce que ce qui est passé à Sigri, c'est Alpha qui est le responsable de tout ça là. Alpha Condé avec ce gouvernement, ils n'ont jamais donné les solutions. Ils n'ont jamais donné les solutions aux Guinéens. Seulement c'est pour nous, pour créer des conflits entre nous, créer des désordres entre nous, créer le mécontentement entre nous, créer le mal-être, malaisie au peuple guinéen. Ça, c'est inacceptable. Dans cette scène de Ramadan, combien de fois on a eu tous les tendus de territoire de la Guinée, combien de conflits qu'on a eu. Même son préfet est en coma à Haute-Guinée. Parce que le décret que lui il a décrété, en disant qu'on ne peut pas faire le prier de longues prières de 3 jours de Ramadan. Combien de dégâts, combien de conflits, combien de désordres. Commencement à Zerkore jusqu'à tous les Haute-Guinée, tous les tendus des territoires de la Guinée. Parce que combien de fois qu'on a eu des conflits? Combien de personnes ont été blessées? Combien de personnes ont perdu la vie? Toujours Alpha Condé n'a jamais pensé la paix. Il n'a jamais pensé comment vivre ensemble. Alpha Condé n'a jamais pensé comment le progrès. Il n'a jamais pensé quelle est la solution, quelle est la porte de sortie. Au lieu de donner la solution, au lieu de donner une porte de sortie, au lieu de donner l'appui moral, au lieu de donner l'accompagnement à cette paisible population qui est dans les difficultés, toujours il est en train de nous créer des problèmes. Ça, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, je vais vous demander, Alpha Condé est en train de parler qu'il y a des coronavirus dans notre pays. Au Marseille, il n'y a pas de coronavirus. Dans les taxis, il n'y a pas de coronavirus. Dans l'hôpital, il n'y a pas de coronavirus. Dans l'école, il n'y a pas de coronavirus. Dans toutes les campagnes, pendant qu'ils sont en train de faire événements politiques, s'ils sont en train de faire événements politiques, il n'y a pas de coronavirus là-bas. C'est une question que j'ai posée à ce gouvernement maribonne. Parce que c'est un gouvernement maribonne. C'est un gouvernement sauvage. Donc, qui nous crée des problèmes. Donc, tous les mouvements, il n'y a pas de coronavirus. Mais pour aller prier dans les mosquées, il y a des coronavirus. Donc maintenant, Alpha Condé a signé seulement dans les mosquées de Conakry qu'il y a des coronavirus. Dans les mosquées de la Guinée, République de Guinée, qu'il y a des coronavirus. Mais tous les endroits, il n'y a pas de coronavirus. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Et donc, pendant tout l'endroit,
n'y a pas de coronavirus. Mais ici, ça c'est pour aller prier de ce de mois de Ramadan. Si ça c'est pour aller prier dans les mosquées, il y a du coronavirus. Mes frères guinéens, s'il y a du coronavirus en Guinée, ça trouvera que tout le peuple guinéen est déjà mort. Je vais vous dire en connaissance de cause, réellement, s'il y a du coronavirus en Guinée, la Guinée, il n'y a pas de coronavirus. Je vais vous dire à haute voix, je vais vous dire avec toutes les certitudes, je vais vous dire avec toutes les confiances, il n'y a pas de coronavirus en Guinée. La Guinée, il n'y a pas une masse de respiration. On a des manques de respiration. Quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de pneumonie, qui a des problèmes de poumons, il y a quelqu'un qui a des problèmes de respiration, pourquoi ils vont envoyer les gens au Maroc pour aller se soigner? Pourquoi ils vont envoyer les gens en Égypte ou bien en Turquie ou bien en Tunisie, etc., etc.? Pourquoi ils ne peuvent pas soigner en Guinée? Pourquoi on envoie les gens qui sont aux malades, les gens qui sont malades pour envoyer au Sénégal pour aller se soigner? Parce qu'on n'a pas de cardiologue, même s'il y a des cardiologues en Guinée qui peuvent faire la réanimation. Mais s'il n'y a pas de matériel travaillé, s'il n'y a pas de matériel pour travailler, comment on peut sauver la vie en Guinée? Si réellement ils assistent des coronavirus, il y a combien de personnes guinéennes qui sont malades? Si ils ont pris des coronavirus, si ils ont été contaminés pour coronavirus, parce qu'il a décrété que les gens ne peuvent pas aller faire les prières de Nafila dix derniers jours de Ramadan, que parce qu'il y a des coronavirus. Parce que c'est un théâtre. Il est en train de quémander l'argent. Il est en train d'aller quémander l'argent en Europe. Qu'en Guinée, il y a des coronavirus. Donc, il faut que je fasse le décret pour fermer les mosquées en disant qu'il y a des coronavirus. C'est faux, assez faux. C'est mensonge, un grand mensonge. Alpha Condé, c'est un grand menteur. C'est un menteur. C'est une personne menteur. C'est un grand mensonge. C'est un grand menteur. Alpha Condé, il est champion pour mentir au peuple guinéen. Si la Guinée, on a des coronavirus, ça trouvera que tout le peuple guinéen est déjà mort. Parce qu'il n'y a pas de distance de la sécurité. Il n'y a pas de distance de sécurité. Tous les lieux publics, nous sommes là-bas comme les sardines. Dans les Mabana, quand nous rentrons dans les Mabana, on met les gens là-bas dans les Mabana comme les sardines. On met les gens dans les taxis comme les sardines. On met les gens dans le marché comme les sardines. On met les gens dans tout l'endroit, dans tout lieu public. Quand il y a des activités politiques, au sein de RPC Arc-en-Ciel, on a vu, il n'y a pas de distance de la sécurité, il n'y a pas de mesures sanitaires. Maintenant, si, pourquoi eux n'ont pas contaminé? Parce que c'est à des coronavirus. Donc, laissez les manipulations. Il est en train de manipuler cette paisible population pour dire les grands mensonges pour que les gens vont le croire, pour qu'il puisse aller commander l'argent en disant en Guinée, ici, il y a du coronavirus. C'est faux. C'est faux, assez faux. Il n'y a pas de coronavirus en Guinée. Sincèrement, il n'y a pas de coronavirus en Guinée. Sincèrement, Alpha Condé est mentalement malade. Votre petit Dieu là. Parce que Dieu a maudit dans le Coran le Karim, suratu Masadi, tabat yada Abi Lahabi, otabama, otang, ala yala Yahwe, otang ala Yahwe, an Nabi Yahwe, dîne l'islam Yahwe, ala autorigo, Dieu ne dort pas, ala autori, parce que vous êtes maudit dans le Coran le Karim. Donc, comment que vous allez dire les mensonges s'il y a du coronavirus? Est-ce que la Guinée a les machines de respiration? Quand quelqu'un est dans le coma, que quelqu'un est dans une situation de contrôle sanitaire intensive, c'est ce qu'on dit ici aussi. Donc, contrôle sanitaire intensive, urgence sanitaire intensive, est-ce que la Guinée a de ces machines pour faire la réanimation? Pour réanimer les gens qui sont des problèmes de respiration, pour que les respirations ne peuvent pas couper. On a quelle machine là-bas? Combien de populations? La Guinée, c'est 12 000 et quelques habitants.
Maintenant, on a combien de machines de pour cardiologues pour les respirations? Donc, aussi, la Guinée, on a des coronavirus, ça trouvera que tout le peuple guinéen est mort, complètement mort. Personne ne va vivre. Mais c'est le mensonge. Donc, on en a marre, il y a trop de mensonges. Le problème de Babette, des masques là, le problème de Babette, vous avez trop exacerbé au peuple guinéen. Combien de personnes ont perdu la vie pour les problèmes de Babette au Madi, au Koya, Diberka, un peu partout, vous avez tiré les gens balles réelles à cause de cette babette pour votre démasque. Donc on vous démasque parce que vous êtes mensonge, vous êtes menteur. Vous êtes un grand menteur. Donc c'est une manipulation. Donc le gens de Sigrin, moi je suis solidaire avec vous. Moi, il y a mon solidarité totale avec vous. Il y a notre soutien. On a votre soutien. On donne 100% de soutien avec vous. Le sang de Tatakuru et des provinces de Sigrin. Parce que vous êtes victime d'une dictateur, une malhonnête personne qui est Alpha Condé à la tête. La malhonnête personne sanguinaire de Alpha Condé qui est à la tête de la magistrature suprême aujourd'hui, qui fait la manipulation, qui est en train de faire le désordre et des conflits dans notre pays. On en a marre. Trop, c'est trop. Donc, Alpha Condé doit avoir honte. Il doit avoir honte avec ces situations. On ne peut pas vivre avec ces situations. On ne peut pas continuer à vivre dans... Il est en train de nous enrouler dans les farines. On en a marre de ça aussi. Il est en train de nous rouler dans les farines, dans les mensonges. Mais il va nous trouver ici. Il va nous trouver ici. Il va nous trouver ici. Il va venir le 18. Il va nous trouver ici. Tu sais, vous rentrez de dire que la Guinée, on a des anciens secrets partout. On a que le gouvernement guinéen a des anciens secrets en Europe. Que le gouvernement guinéen a des anciens secrets en France pour aller infiltrer. Que vous dites que vous allez faire l'infiltration des manifestations, créer une contre-manifestant. Vous pensez que ça va nous effrayer? Ça va nous dénoncer? Ou bien ça va nous faire quelque chose et cette intimidation? Non, on ne casse rien. Foulenaga le bon naroula. Foulenaga comme matinal que vous êtes. Nous, on n'a pas peur. C'est l'entambaradé. Donc, quand on dit que c'est l'embalé, à la yere le ou la kandala. Moi, menye marfata là. Moi, menye à la population toni là. Moi, menye à la population torturée là. Nel tesla na ou armade nyako. Ye mo bunyale le nakasro mo armade mo bunya mo ladi. Ye mo le bunyale nakasro armade yere ka yere bunya. Moi, menye ma yere bunya. Moi, menye ma yere long. Donc, ye ou bunyale pourquoi? Ye bunyale mouna. Moi-même, je suis allé à Mendi. Je suis long. Ala Bunya, je suis allé à Mendi. Ou bien milice, ou y'a le boulot, ça marche en Guinée. Ici, ici en Europe, ça ne marche pas. Il faut que, on a un colon, on a oulé belé, on a intimidation, effrayation, à mounyere babé. Mouhaura colon nara. Donc nous, on en a marre de ça. Trop, c'est trop. Vous, les vampires. Alpha Condé, avec ce gouvernement, ils sont plus dangereux, plus que vampires. Donc nous sommes là, on est prêts. Si vous êtes prêts, nous aussi, on est prêts. Avec cette malhonnêteté de votre part. Donc, vous devrez donner la solution aux Guinéens. Vous devrez nous donner la solution. Vous devrez nous donner la porte de sortie. Si vous êtes homme,
Si vous êtes quelqu'un qui est capable, si vous êtes quelqu'un qui aimait la Guinée, si vous êtes quelqu'un qui aimait les Guinéens, au lieu de créer des conflits, au lieu de créer des désordres, ce que vous devrez faire pour nous donner la solution. Nous, on a besoin de la solution. On a besoin de la solution, on a besoin de la paix, on a besoin de la cohésion sociale, on a besoin de bon vivre ensemble. Ce n'est pas pour venir de nous créer des désordres et désordres, des conflits. Donc on en a marre de ça. Alpha Condé, qui n'ont pas mérité, c'est regrettable, partager un pays avec vous, les RPG Arc-en-Ciel. C'est très regrettable. C'est regrettable. Comment on peut partager le pays avec vous? Donc, quelqu'un qui ne sait même pas les droits fondamentaux des humains. Quelqu'un qui ne connaît même pas quel est le droit citoyen. Vous nous avez bafié tout notre droit. Tous les droits citoyens ont été bafiés. Donc, la dignité humaine a été touchée, c'est nous. La dignité humaine n'a pas respecté. La vie humaine n'a pas respecté. La droit citoyen n'a pas respecté. La droit constitutionnel n'a pas respecté. La droit démocratie n'a pas respecté. C'est nous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Donc le dossier de 28 septembre vous dit que vous avez perdu le dossier 28 septembre. Un dossier qui est dans le tiroir vous dit que le dossier là est perdu. Vous allez récolter. Vous allez nous trouver sur votre sommet. Vous allez nous trouver sur votre sommet. Donc nous, on ne peut pas tolérer ça. Donc nous sommes allergiques avec l'injustice. Nous sommes défenseurs du peuple. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes défenseurs de la vérité. Nous sommes là pour défendre l'honneur et la valeur de la République de Guinée. Donc nous sommes défenseurs de personnes faibles. Donc si vous voulez subestimer, bâillonner, la vie guinéenne, bâillonner le peuple guinéen, bâillonner la démocratie, bâillonner les droits citoyens, bâillonner les droits constitutionnels. Donc nous, on peut pas vous pardonner. Vous allez nous trouver sur votre sommet. Donc malhonnête que vous êtes, criminel, vous êtes sanguinaire, rebelle, terroriste que vous êtes. Vous pensez que cet comportement bidon vide. On a perdu beaucoup de personnalités en Guinée. Alpha Condé n'a jamais décrété de deuil national. On a perdu beaucoup de personnalités en Guinée. Alpha Condé n'a jamais décrété de deuil national. Mais si ça, c'est la démagogie, parce que c'est Idrissa Déby qui l'a financé. C'est Idrissa Déby qui donnait des armes pour tuer la possible population. C'est Idrissa Déby qui donnait le soutien. Comme Idrissa Déby est mort maintenant. Maintenant, il a créé 24 heures de deuil dans notre pays. Donc maintenant, nous footballeurs sont morts en Guinée. Ils ne sont jamais décrétés de deuil. Combien de footballeurs guinéens qui sont mouillés les maillots, qui sont mouillés leurs maillots dans notre pays? Est-ce qu'on a décrété de deuil national? Combien d'armées guinéennes ont perdu la vie? L'armée guinéenne qui sont servi la Guinée, qui sont portés notre tenue nationale, qui sont portés, sacrifient leur vie. Le militaire et paramilitaire et l'armée en globalité, dans sa globalité. Combien de l'armée qui a perdu la vie? Khalifa Diallo, général Khalifa Diallo est mort. À Morobia. Avec combien de soldats qui est mort dans l'accident de l'hélicoptère à Morobia? On a perdu les personnalités importantes pour nous, importantes la nation guinéenne, importantes qui sont servies corps et âme dans notre pays. Alpha Condé n'a jamais décrété de deuil national. Parce qu'il paraît que c'est lui qui est le coupable, la mort de Khalifa Diallo avec tous les soldats qui sont perdus la vie accompagnant de notre chef d'état-major de l'armée de Khalifa Diallo. Paix à son âme avec tous les armées qui sont perdues la vie avec lui. On a perdu deux pilotes personnalités dans les Méditerranées, dans la mer de Conakry. Deux pilotes importants pour nous qui servent corps et âme dans notre pays. Alpha Condé n'a pas décrété des journées nationales de deuil
Il n'a pas décrété de deuil. Mais il s'agit de dictateur. Idriss Déby qui a marié la femme de son fils. Quelqu'un qui a marié la femme de son fils. Quelqu'un qui a sacrifié. Quelqu'un qui a fait combien d'années opprimé des peuples tchadiens. Mais s'il s'agit pour aller faire les journées nationales de deuil pour Idriss Déby, il va le faire. Mais les gens qui sont sacrifiés pour la Guinée, les gens qui sont sacrifiés pour le Guinée, les gens qui sont sacrifiés corps et âme pour que notre pays avance, Alpha Condé n'a jamais décrété. On a perdu Rossé Bamba, des patriotes Rossé Bamba. Rossé Bamba, paix à son âme. Alpha Condé a empoisonné Rossé Bamba. Rossé Bamba est mort. Alpha Condé a empoisonné Rossé Bamba. Mais il n'a jamais décrété de deuil, journée nationale. De deuil. On a perdu combien d'artistes guinéens? Avec les mal gouvernance, avec le mauvais état de route. Djoumassi est mort. Petit Djoumassi, il est en train d'aller faire le concert à Cancan. Avec 5 personnes accompagnant la route de Cancan. Parce que l'état de route n'est pas bon. Djoumassi est mort là-bas. Avec 5 jeunes talents à l'âge de Florissant. Alpha Condé, est-ce que tu as des cœurs? Le peuple guinéen a des cœurs mépris, mais toi tu n'as pas de conscience. Tu es inconscient, Alpha Condé. Alpha Condé est inconscient avec tous ces gouvernements parce qu'ils n'ont pas la moralité. Vous n'avez pas la moralité. Alpha Condé, avec ce gouvernement, n'a pas la moralité. Quelqu'un qui a la moralité, il va penser. On a perdu combien d'artistes navigatoires qui viennent de perdre avec la situation de l'état de route est mauvais parce qu'il n'y a pas d'équipement de la route. Et vous êtes en train de détruire notre milliard d'euros. Et donc vous avez vidé notre compte bancaire. Banque centrale est vidée. Nous importons 90 000 tonnes de bauxite par an. Donc le Guinée est dans l'extrême pauvreté. 90 000 tonnes de bauxite par an importées en Europe, en Occidentaux. Le peuple a quel bénéfice? Donc nous sommes dans l'extrême pauvreté. Nous sommes plus en plus pauvres dans la planète. Quand je réfléchis, le problème de la Guinée, ça me crée des problèmes respiratoires parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pour cela que je prends un bail, je prends une vacance pour faire les vidéos. Parce que je sais que combien de fois ça me touche. Directement, c'est pas indirectement. Directement, combien de fois ça me touche. Nous remportons 90 000 tonnes de bauxite par an. 90 000 tonnes par an de bauxite. Le Guinée n'a pas de plat de jour à manger. Le Guinée n'a pas de plat de jour à manger. 90 000 tonnes par an. Il y a des hélicoptères qui quittaient ici pour aller prendre les diamants, de l'or, des diamants dans notre pays, pour aller l'or dans notre pays. Mais le Guinée n'a pas bénéficié. Le Guinée est en plus pauvre. Donc on a perdu beaucoup de personnalités qui sont servis la Guinée, qui sont sacrifiés la vie. Alpha Condé a bâillonné la vie, ses personnalités. Donc, c'est extrêmement... si trompé. 70 millions de tonnes de bauxite par an. 70 millions de tonnes de bauxite par an. Alpha Condé rentre d'envoyer en Occidentaux. Nous sommes dans l'extrême pauvreté. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Les déontologies médicales, c'est pour cela. Si la première personne sermentée, le premier magistrat suprême de la nation, qui est fautif, qui est fanfaron, qui est malhonnête, comment le peuple peut être bon?
Comment tout le reste peut être bon? Parce que Alpha Condé, c'est un fanfaron. C'est un malhonnête, c'est un sanguinaire. Alpha Condé a fait les parsures. Quand il fait la prestation de serment, devant Dieu, devant les hommes, il dit qu'il va respecter la loi. Il va faire respecter la loi. Alors que c'est lui, premièrement, qui viole la loi. La loi fondamentale de la Guinée. Comment le peuple va le respecter? Maintenant, regardez toutes les administrations guinéennes. Qui fait bien son travail? Personne. Parce que Sossé Nara on a un bon colo. Quand il y a un tafo, on a un il est Sounali là. Il est Ouyafo là. Il est Bandia là. Il est criminel là. Il est ici qu'il faut donner un katou. Il est ici qu'il conseiller de Mandidoma. Où est-ce qu'il y a un tafo, on a un tafo. Mais il y a un tafo. Il y a un tafo, on a un tafo. On a un tafo. Donc, Amazon, les musiciens guinéens là, quand il y a un tafo, on a un tafo. Hein? Donc, tu as vu, c'est ça qui a gâté la Guinée. Ni qu'un tafo, on a un tafo. Parce que son crâne est là. Il y a un colonne de Manamanamo là. Même les dirigeants là-bas, qui n'ont pas de conscience. Donc, c'est extrêmement dangereux dans notre pays. Hôpital, docteur Louyeye, il te donne ton dossier médical. Il n'a même que prestation de serment. Quand il faut ne brancaler. Marankali alala, marankali damana lo sariala, marankali alala, marankali alani kilala, marankali na profession ni jan carton na la nda sauver nda vite sauver nte wodi coup la nyafe nye aramadi ni lebu la nyafe. Est-ce que docteur Bié ou Barak la, est-ce que yo Barak la docteur bebe kobe inna mi hudi ke Allah mi hudi ke annababe mi hudi ke golle ande mi hudi ke sari Allah gino mi hudi ke yeso Allah yeso annababe yeso jinna malaika bebe mi feway mi golla mi dadi nay wonkiki si imbebe ari wonaka si mi wadata yeso ko wonki bani adam mi wona yeso. Est-ce que lagine dundo no wonito? Est-ce que docteur bebe waday dundo ina kam barankali ala rambarankali annabi rambarankali ala gine sariara barankali mawalira nkobiri adama dini nan sama yare mu kobiri fe sama yare docteur ya dentologie de nanaki. Est-ce que docteur ya dentologie itanna kan nabama? Est-ce que ina respecter mané sori la gine policier la gine fonctionnaire? Donc est-ce que dentologie itanga parjure in et parjure na kan naba in afalafe itang prestation de serment n'a pas été partie là-bas fait chaque jour. Parce qu'ils ont fait le sermenté. Une personne sermentée. Tu dis que je suis au l'honneur de mon papa. Je suis au l'honneur de mon pays. Je suis aux lois fondamentales. Je suis devant Dieu, devant les hommes. Je vais être honnête. Je vais servir la Guinée. Devant Dieu, devant les hommes. Je vais servir la Guinée. Dans l'honnêteté, dans la franchise, dans la transparence. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'ils vont faire dans notre pays? Toutes les personnes sont malhonnêtes. A à Z, de plantons, de commencement Alpha Condé jusqu'à les derniers plantons, des fonctionnaires de notre pays. La majorité, 80% est malhonnête. Comment ce pays va se développer? Les gens qui n'ont pas la moralité, quelqu'un, quand on dit une personne, quelqu'un qui a le moral, si une personne immorale qui n'a pas la moralité, qu'est-ce que tu veux dire de la personne là? Parce que Dieu a dit dans le Coran le Karim, Soumoum, Bokoumou, Oumouyoum, Firouloubihim Marlo. Soumoum, Bokoumou, Oumouyoum. Donc, les gens là, tu ne peux pas parler, quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui n'entend pas, qui ne voit pas. Donc maintenant, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fermé leur cœur. Dieu a fermé leur cœur. Il ne faut pas voir. Tu ne peux pas parler s'ils vont entendre. Là, il faut avoir. Donc, ils ne vont pas comprendre ce que tu dis. Ils n'ont pas de compréhension. Ils n'ont pas de compréhension. Leur cœur est malade. Dieu a fermé leur cœur. Donc Dieu a créé et a fermé leur cœur. C'est les gens là qui sont devant nous aujourd'hui.
Ils sont malades mentalement, ils sont malades physiquement, leur cœur est malade. Dieu a fermé leur cœur. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas leur enseigner quelque chose, tu ne peux pas leur montrer quelque chose s'ils veulent le voir. Ils ne peuvent pas parler, leur cœur est malade, est fermé avec la clé. Dieu prend la clé là, il met, il a accepté ça dans les os asiatiques. Numéro naré, il rare les barafouri, il rare les barakana. Il tout lui barakana, il y a barakana, il demu non ma wende, et amu non ma wem fala de nebe hasali non ma fahamu sotodama, et amu non ma fefe rabade, à la barra ne son donne balan, à barra condo in sama, à ne condo in chab kiletong à wolibama, est-ce que mon nom a wende nebeto? Hasali ne nase fahamuma. À la camoumé nous son domaine d'Ankaro, à qui Kenya fait un todi, qui a kiri d'Ankaro, qui est conclu d'Ankaro, qui est son domaine ka ofreme, ka klebla ou la kabla badiro. Il te kuma fola ni dame, il te kuke la ila, il te fe nira li la, il te fousse fola, ni ou l'desi ka famo. Franchement, ou mou l'akou y a problème de di. Allah subhanahu ta'ala, ou na ou ni bedo, ko be bundo be, awawata holu de bedo, si ta ybe wawa yude. Awawata wola de bedo, parce que non pi ma bedi nanatako, et donc, non pi ma bedi no oudi. Awa wata wolandebe sitai benanai awa wata holudebe sitai be ya gitema be no kobundo hundo ko mabbe Allah subhanahu wa ta'ala no ferme hundo ko mabbe bernde mabbe kadi no nauni Allah subhanahu wa ta'ala fermi bernde mabbe bo jetiki le onabika haukiki le onkamayo joni awa wata sitai be famai be wata famudi benana tabe fama tabe wata haifusu Allah subhanahu wa ta'ala nauni ko ben imbe naunu bebe woni yeso ame handi elagine Joni non bani ene gine mbebe ko yo me famu yo me andu ko hombo me mari ko faso hondu ko faso hombe wona e dirus de la Guinée c'est extrêmement dangereux donc Alpha Condé yo be wadu décret national de deuil ce qui est passé à Sigrin parce que ça c'est inacceptable. Ko fedi sigirin kon hana fejude ko fedi hotugine e hino do zere kore be nabi sori be ben sere kore o bar sori khani sere kore parce que désordre Alpha Condé désordre na rankere a conflit na rankere e bar sori be khani sere kore e bar sori be khani hotugine donc parce que ta colon toujours quand ça le mangé mutengré mangé ou le fallait problème nara quoi mangé ou le fallait problème nara. La mangé nara motirin problème nan la Guinée kayira la Guinée mangé nara mu garuma ala yara amu garuma lo yara atanyonga matana na alara donc mais fabukhtal la ji kafaru donc mi nara yagima ala kafiri nan na yagima parce que atana fala ma hayato nara fala ma atta ala nara ala nan soge ra minima Fugue aragoro lambanye. Ala nan tune fama. Ala nan demirasima. Ala nan kuyebama. Fabouhe tal la djekafaro. Otan le ola nerwa kolon. Otan. Sese mouora fo adamadi. Me febiri na nyom ma. Ala nan benam. Me rasa ala salum ala benamma. E idirisa debi barfaha. Alpha Condé fanda kirara. Alpha Condé na kirara go. Mais il hérita ce n'a pas loufé la gueule qui nana nyaro il a n'ri ma nyaro na fema il hérita ce nyaro désordre de conflit il nana loufé la gueule qui ira hérita ce nyaro nana loufé la gueule qui ira Alpha Condé fan ri ma nyaro alama il fan ri ma nyaro lorema donc loré na mukanama loré ndé na fafé Lore nara e muno ma fala de lore nara ma ala meme ngasi ka nyungu na lore muno ma na lore vama e muno ma fala de ala meme kanari na re birin tiri ma mete ganara fala ngafin da afanyira e muno ma lore na we fala de lore nara ma ila ne rima nyako na lore ma ila ne rima nyako ida Alpha Condé ina la Guinée tu en fait ina la Guinée kobiri fende fe inira yama una kunkikui une kunkikui yamfantia kunkikui Alpha Condé Imu kelima na ya mfantea kukui kui loko na kama. Ila nekima nyakwe. Ya kolon. Ya kolon. Ya neka kolon. Febiri mna nyoma ala nambema. Ibara mekira ti. Ya wule kukui kui.
Ibara mirirati ha yamfantia kunkwikwi. Ibara mirirati iha bandia kunkwikwi. Ibara mirirati iha criminel ya kunkwikwi. Ini mirina rena na kunkwikwi. Adonge kuyeba maudera. Alpha Condé. Ini iha yama. Febiri nyoma nego. Ala hamangaya nata munyomo. Eha kolo ala nanago. Ala ima kiti mani. Imu tenge, kemo tenge ndare, yagina naki. Kemo naga mutenge, amu gaku ala yara, amu gaku anabi yara, amu gaku hake yara, problemu nara. Alpha Condé lagine ke bara toro. Lagine ke bara toro. Lagine ke bara tukunsan. Mubara toro, toro e bara la mobe. Alpha Condé, mubara lang, abara la mobe, toro e bara la mobe. Ita yo kasu yo, obiri, obiri lagine ya kuina na obiri na. La Guinée est baratoro, au Magnarum. Au Magnarum. À la Kiti, fait l'oré de femme, fait yaba malore d'arma. Au l'année oracolo, mérit l'année, héritage fanina lui rambira. Mérit l'année, ira exemple, bon exemple dans lui rambira. Ha Adamadina mini duniama. Haina mini duniama, il l'année. Il a fini Adam a dit la fala fenana. Il a fini Adam a dit canave. Il a fini Mirena Mire. Adam a dit canama. Il a dit Adam a dit nanafa. Mais Alpha Condé. Il a dit Mangaya naran iki. A n'yengen ri. Abar fini Sendera. La Guinée mouna fa yo sotakui. Fotore bansan, fotore bansan. Loro loro mona ni tore nankui. Alpha Condé. Donc on t'a nommé naran fala de. Nanara wa salam parce que Maribore o haketu miri na ngelife a bebera donc mona son roli na kuiki donc je vais vous quitter parce que nous sommes dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, il y a des irisances, il y a une autre irisance aussi que je dois répondre, donc je suis de cœur avec vous, je suis en bon état de santé, je n'ai pas renoncé mon combat, je ne renoncerai jamais mon combat, je suis déterminé pour cause de notre pays, je suis déterminé pour cause des peuples guinéens, je suis déterminé pour défendre les droits de l'homme en général. Donc, avec l'injustice, je suis allergique avec l'injustice. Donc, je suis de cœur avec vous et je vous remercie beaucoup. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu accepte tous nos sacrifices que nous faisons pendant le mois de Saint Ramadan. Que Dieu nous donne Jannatul Firdaus, que Dieu pardonne nos morts, que Dieu le donne Jannatul Firdaus, que Dieu règne la paix, que Dieu règne la paix et la concorde nationale dans notre pays, que Dieu porte la Guinée, que Dieu porte les Guinéens.